C'est pas des journaux. Attendez, monsieur, attendez. Vous allez en direction de Agios? Bah dis donc, Macron, il vaut pas grand-chose par rapport au Simon. Ouais, 1728. 000 balles. Jean Piloute. Oh, lui, je l'avais bien oublié, lui, par contre. Bon, Biloute, hein. Il y en a qui s'appelaient comme ça aussi à l'époque. Jean Biloute. Elle est bien bonne, celle-là. On l'aura jamais autre fanfare. Vous allez où, monsieur? Je m'en vais à Kavala. Bah, venez, je vais vous déposer. Ah, merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Vous avez le dos un peu. Vous avez le dos qui pend. Voilà, Ah, monsieur, ça c'est va bon. mieux. Merci, monsieur. Vous êtes nouveau? Non, je suis pas nouveau. Ça fait une semaine que je suis sur l'île. On va vous demander, vous n'aurez pas un petit billet? Oh, moi, je suis nouveau et j'ai rien du tout et j'ai même pas un moyen de rouler en fait. Et Ah, quand on c'est va faire un serveur, petit il échange arrive ensemble. dans pas longtemps. J'ai failli tailler un short. Qu'est-ce que je peux vous faire? Voilà, monsieur. Bonjour. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Merci. Les mecs, ils ont même pas encore remarqué que ma voiture elle est là. Alors que depuis tout à l'heure, je vais essayer ici à l'abandon. Je crois qu'ils ont pas encore compris qu'il y avait une voiture abandonnée dans le coin. Et ben, j'en profite de la réparer maintenant. Bonjour, ça va? Vous êtes un naine? Oui, ça va. Il y a juste eu des chasseurs qui chassaient dans le coin et il y a eu 2 balles perdues et mes 2 roues sont crevées. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur. Il n'y a pas de souci, bon courage. Merci à vous aussi. Il y a eu 2 chasseurs, ils ont tiré, il y a eu 2 balles perdues, ça a touché mes 2 roues. Oh, j'ai perdu 2 mois là, dis donc. Je vais leur dire que je vais devoir laisser ma voiture là et me reposer parce que j'ai bu un peu d'alcool. Parce que du coup, si t'es tombé, je peux. Je l'ai garé sur votre parking parce que j'ai un problème. Je suis un peu fatigué, j'ai un peu plus d'alcool. Alors, j'aimerais savoir si je pourrais passer un peu la nuit devant votre gendarmerie. Je décrive moi son Monsieur, propre choix. j'ai C'était honorable. alors, C'était vous en dire quoi? prison, bah, en prison, mais D'accord. pendant longtemps. Voiture est ouverte. Est-ce que je tente de le faire ou pas? Je vais retourner, j'ai volé la caisse du mec. Faut que je mette mes affaires dedans. Je peux me faire choper à l'instant même parce que il fait nuit, mais on voit clair comme le jour. Je crois que c'est à cause de la lumière de la lune. Donc, dans un sens, la Terre a bien barré. Plus de 2 roues. Faut que je l'aille les ramener. Je suis peut-être un salaud, mais pas au point de laisser un véhicule au loin alors que ça appartient à quelqu'un. Surtout un citoyen qui vient de se faire allumer apparemment. Aïe. Ça, par contre, ça va être un peu problématique.
Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide? Oui, j'ai besoin d'aide. Alors bougez pas, je m'occupe de vous. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, y a la voiture verte qui était ici. Elle s'est fait voler par par deux personnes. J'ai tenté de les en empêcher et ils m'ont carrément attaqué au couteau. Faudrait appeler les gendarmes. Ok, pas de soucis, j'appelle les gendarmes. Ils sont à côté. Attendez, parce que j'ai un autre appel en même temps, je suis désolé, vraiment. C'est pas grave. Le sapeur-pompier pour gendarmerie? Oui. Ils m'ont dépouillé, ils m'ont pris mes vêtements. Non, deux sapeurs-pompiers pour gendarmerie. Sapeurs-pompiers pour gendarmerie. Il y a. Il y a pas mal de cailloux ici, ça fait mal au pied. Tout le monde. Ah bah je crois que la personne qui est juste à ma gauche là, qui est accroupie, elle a essayé d'arrêter les voleurs, mais elle s'est pris quelques coups de couteau, hein, je crois. Oh là là. Ils étaient deux. Donc, ah bah je vous remercie beaucoup d'avoir essayé d'arrêter mes voleurs. Elle a dégaré juste devant en plus. J'ai soigné votre voiture se trouve là-bas. Les gendarmes, du coup. Elle va mieux votre voiture ou pas? Bah écoutez, là il y a des panneurs qui vont venir. Hein. Le mec qui me l'a volé me l'a totalement bousillé. Quoi. Regardez mon état de moteur, complètement défoncé. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux même pas remettre des pneus, ça servira à rien. Ah, je m'en doute. Ma voiture aussi elle est un peu cassée par rapport au moteur. D'ailleurs, elle a brûlé. Oh là là. Et puis je suis sûr et certain que c'est le monsieur qui dit l'avoir protégé qui l'a volé. Hein. Ça c'est sûr et certain. La déclaration du pompier elle me semble bizarre par rapport à la sienne. Quoi. Effectivement, qu'est-ce qu'il a dit de beau soi-disant protecteur? Monsieur, il dit qu'il a pris la voiture, ouais, donc cette voiture, voiture-là, hein, juste ici. Et oui. Le pompier, il circulait de nuit, puis il a retrouvé le mec là-bas, hein, à une cinquantaine de mètres, voire plus, complètement en sang, qui dit qu'il l'a protégé. Mais si les mecs, ils viennent du commissariat qui se trouve là-bas et qui ont volé la voiture, je vois pas pourquoi ils se seraient arrêtés pour poignarder un mec à 50 mètres là-bas et se planter juste ici, ça n'a pas de sens. Effectivement, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Votre voiture, elle était fermée au moins? Ça, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle était devant le commissariat, ça c'est sûr. Parce que d'après la personne qui a soi-disant protégé votre voiture, à ce que j'ai entendu parler, la voiture n'était pas fermée. Les voleurs, ils ont réussi à l'ouvrir, d'après lui. Parce qu'il les a regardés ouvrir la voiture et partir avec, en plus. Bah, il les a vus et... La route, son histoire. Bah là, je suis à côté de ma voiture accidentée, hein, 500 mètres... Mais pourquoi donc? J'en peux plus, mec. Sa carte d'identité à la gendarmerie, parce que je compte bien déposer de ma cour. Attends. Moi, je veux le lire. La gendarmerie, ils ont demandé son nom, au cas où, si jamais ils retrouvent les voleurs. Il s'appelle Rudolf Racler. Ça fait voler la cacahuète verte, quoi. C'est ouf. Qui veut voler ça? Ah bah, je sais pas, sûrement il un monsieur. Comment, monsieur? Au cas où, monsieur, si vous voulez, au cas où, m'appeler ou quoi que ce soit, je laisse mon nom si jamais vous avez un problème. Ah, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bonne journée. Votre numéro, du coup, c'est bel et bien moi, monsieur, qui vous avez votre voiture. Bonne journée, au revoir. C'est ça? Il dit quoi? C'est lui qui a volé ta voiture. La prochaine fois, ferme bien ta bagnole. Oh l'enfoiré! Oh il me tuera, ce mec! Oh il va me tuer! Oh là là, j'entends toute la voiture en direct, j'en avance!